Bonjour, vous êtes sur la chaîne de Scrap de Claude de Scrapbooking. Voilà ce que je vais envoyer à une amie. Voilà, qui m'a envoyé une carte de bonne année. Donc je m'y attendais pas du tout. Que je m'y attendais pas du tout. Donc voilà. Et en plus, l'année dernière, hier, elle m'avait envoyé une carte aussi de bon anniversaire, que j'avais dit que je lui aurais renvoyé pour son anniversaire et que j'ai complètement zappé. Donc, j'espère que cette année, je ne vais pas l'oublier. Je crois avoir noté. Donc, on verra si j'y pense. Mais là, j'y ai pensé. Voilà. Donc c'est une petite carte toute simple sur un papier recyclé en fait. Je sais pas, vous voyez le grain du papier. Un papier coton, ils appellent ça. Voilà. Donc c'est tout simple, hein. Au revoir 2020, bonjour 2021. Voilà. Alors, à ceci, je vais lui rajouter des petites breloques que j'ai mis dans un sachet. Donc, j'ai mis le sachet dans un autre sachet parce que j'ai peur que ça perce l'enveloppe. Donc, voilà. Ça peut être très bien pour faire un album, par exemple. Moi, je fais pas d'album, mais j'ai pas mal de choses comme ça, de petites ferrailleries, là. Donc, j'ai ça aussi. Alors, ce sont des stickers. Donc, ils sont en métal, enfin, ils sont argentés. Argentés ou noirs. La deuxième partie est là. J'ai dû couper le... Parce que ça dépassait l'enveloppe. Et comme je ne voulais pas plier, donc j'ai découpé comme j'ai pu. Voilà. Des stickers sur la lettre U. U, ou le début d'un mot, hein. Des stickers géométriques. Stickers fleurs. Des stickers nœuds. 4 nœuds en sticker. Nœuds papier. Voilà. J'ai fait aussi du tamponnage sur une simple feuille. Hein, parce que, en fait, je fais sur une simple feuille. Parce que je me dis que les gens vont peut-être, s'ils ont chez elles, maintenant on est plus ou moins bien équipés. Donc les personnes qui peuvent comment photocopier en fait peuvent photocopier après sur du papier beaucoup plus épais. Et le fait de faire sur une simple feuille, ça pèse moins lourd pour l'enveloppe et donc on peut en mettre un peu plus. Voilà. Donc pensez à faire des photocopies. Enfin, au moins une photocopie, à rentrer ça dans votre ordinateur. Et faire sur des photocopies épaisses pour pouvoir détourer après et puis poser sur les... sur vos décorations, sur vos cartes, sur vos... pour faire des embellissements. Voilà. En sachant que ça, ce sont des tamponnages de la marque Asa. Alors ici, j'ai mis quelques découpes qu'elle verra par elle-même. Voilà. Donc, ce sera la surprise. Voilà. Donc voilà pour ce petit envoi que j'envoie à une personne qui m'a envoyé une carte de bonne année, dont je m'y attendais pas du tout.
Voilà, donc je remercie cette personne qui, quand elle verra la vidéo, si elle est sur ma chaîne, elle pourra mettre un commentaire si elle veut. Voilà. Et si elle n'est pas abonnée, bah, qu'elle s'abonne. Voilà. Donc merci beaucoup pour cet envoi. Et je vais essayer de me rappeler que bientôt c'est votre anniversaire. Voilà. Donc merci beaucoup. Donc je vais passer à une autre personne à côté à qui j'envoie une autre carte. Juste une carte, parce que c'est pas une personne de scrap, c'est juste une personne qui m'a envoyé une carte. Donc je voulais juste montrer la carte que je lui envoie. Pareil, j'ai scrapé une carte sur le même genre de papier, avec cette fois-ci les fameux personnages. Voilà. Donc chez moi, il n'y a pas de neige. Mais on a des personnages, si on en met dans le jardin, ça pousse très bien. Et pareil, bah, c'est la même chose. Voilà, au revoir 2020, bonjour 2021. Voilà, donc vous étiez sur la chaîne de Scrap de Claude Scrapbooking. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, au revoir.